bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle aventure, une toute nouvelle série qui j'espère va vous plaire. Alors les gars, le nom de cette série est incroyable, je vais l'appeler M'Kolo l'aventurier, voilà, vous allez assez vite comprendre pourquoi. C'est une survie modée en 1.16 et 1.16.1 plutôt, et je suis voilà trop content de vous retrouver. Je viens de générer une map aléatoirement, je n'ai même pas bougé pour vous dire, on va directement, et regardez, vous savez quoi, c'est voilà, c'est le début de l'aventure, on va couper du bois, mais sachez les amis que je n'ai jamais été aussi excité de démarrer une nouvelle série, je vous l'assure, et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Vous allez voir, c'est une série sans prise de tête, et ça va pas, je vous jure, là, je vous jure, croyez-moi, déjà je vais essayer de vous fournir la plus belle des qualités possibles, donc vraiment comptez sur moi là-dessus, mais surtout je pense qu'on va vraiment, enfin je vous l'assure en fait, c'est même pas je pense, mais on va vraiment pas se prendre la tête, et ça va être vraiment trop trop bien, ça va même pas ressembler à Madventure, ce sera juste une série à part entière qui se terminera, et vous allez voir, il y a deux objectifs à accomplir, deux objectifs principaux à accomplir pour terminer la série, et ce sera comme bon nous semble eh bien de se dire quand est-ce que la série va se terminer, donc ça c'est vraiment cool. Et voilà, vous allez voir, il y a quelques modes qui sont vraiment vraiment sympas, il y a des modes qui servent à rien, que c'était juste pour faire genre, mais il y a des modes franchement géniaux pardon. Alors le gros mode principal, pour en parler, alors tout est dans la description, je vous rassure, mais le gros mode principal c'est Biomes Oplenty, voilà, c'est un petit peu la base, mais on a aussi des modes tels que Adventure Pack, Backpack, Dungeon Crawl, donc il y aura plein de donjons etc, et plein d'améliorations. Un truc incroyable, juste regardez, c'est à dire que là on a plein d'items, on peut savoir comment crafter des trucs hein, c'est notre item, là vous voyez on va pouvoir faire aussi des Iron Hammer, donc en fait c'est des pioches qui permettent de casser sur une plus grande quantité, une plus grande surface, donc on va miner super facilement avec ce genre de trucs. Mais un truc qui est génial, c'est que souvent je me perds, souvent je suis là en mode ouais comment je peux, enfin je trouve plus les crafts que je veux faire. Et bien une nouveauté en 1.16, c'est par exemple, tu vois là je trouve ça, j'appuie sur une petite touche, hop, et ça m'ajoute ici dans une sorte de bookmark. Voilà, ça s'appelle un bookmark, c'est un marque-page, et ça va me permettre, vous voyez, de stocker ici les gros trucs qui m'intéressent, et voilà, que j'ai peur de perdre, voilà, tout simplement. Donc ça c'est vraiment cool, si jamais on tombe sur un truc et que je ne sais plus où c'est qu'il est, je vais pouvoir le mettre ici dans le marque-page. Bon là en l'occurrence je vais les enlever parce que je m'en fous un petit peu, en tout cas voilà, ça fait vachement plaisir. Donc les amis, c'est parti, il y a du poulet pas très loin, donc tout simplement on va se les faire pour avoir un petit peu de nourriture. Alors quels sont les objectifs de la série les amis? Vous allez me dire, oui, c'est bien beau, M'Kolo l'aventurier. Alors pourquoi M'Kolo l'aventurier? Bah tout simplement parce que il y a le mode Adventure Pack qui rajoute de la cosmétique. En fait, je vous l'avais montré dans une vidéo que je vous invite à aller regarder justement, où je vous parlais de cette série que j'avais envie de faire. Et là, vous voyez, je ne m'en sors déjà pas. Je ne m'en sors déjà pas, mais attendez, si je cherche Hat... Voilà, c'est un chapeau d'explorer, et puis on a également, non c'est pas ici, peut-être si je tape torche, non on n'a pas. Mais en gros on a une lampe torche, voilà on peut se faire une lampe torche si on veut, mais je crois que c'est par là, hein, à quelque part. Bon bref, peu importe, on arrivera en temps et en heure à retrouver ce qu'on veut, mais on peut faire une lampe torche, et du coup voilà, ça m'a fait penser un petit peu à la Indiana Jones. Mais pourtant, le but de la série n'a rien à voir en soi avec une aventure dans la jungle ou quoi. Bien au contraire, en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on va explorer. Alors, le but du jeu, très clairement, bah, ça va être de pas se prendre la tête, de s'amuser, de découvrir les modes et de découvrir des donjons, etc., de se mettre bien. Mais le gros objectif principal qui fera que la série se terminera, c'est ce qui fait que la série a son sens, et bien ça va être de construire une base dans le Nether. En fait, de s'installer dans le Nether. C'est ça l'objectif principal, c'est de s'installer dans le Nether. Talor, regardez, il m'a donné des pattes. Ça, je sais pas c'est de quel mode. Oh, on peut faire des petites bougies avec des pattes. Je sais pas si c'est des pattes, en fait. C'est incroyable. Bon, bref, voilà, le gros but du jeu, à la fin, ça va être de s'installer dans le Nether. Il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir, les amis. Et également de découvrir... En fait, ça va être aussi de bien fouiller le Nether, mais de découvrir un vestige de bastion et l'explorer. Donc, je pense que vous savez tous ce que c'est. Vous savez, c'est les grands vestiges où il y a des salles des coffres. Et c'est super bien gardé par les piglins. Donc, ils sont très méchants. Et voilà, c'est vraiment une terre hostile. Et j'y suis jamais allé. J'ai jamais découvert ça. Et j'ai aucune envie... Oh, un village! J'ai aucune envie de le faire sur Madventure. Très sincèrement. Donc, les amis, on le fait sur cette série. Et voilà, c'est juste ça, les deux gros objectifs. S'installer dans le Nether et regardez, il y a une sorte de donjon là-bas. S'installer dans le Nether et trouver et explorer un vestige de bastion, tout simplement, et avoir le butin qui est à l'intérieur, tout simplement. Voilà, et le reste, c'est s'amuser, prendre son pied, vous faire kiffer et découvrir un petit peu les modes. Salut à toi, ça va? Très bien. Donc voilà, évidemment, on a les petits modes classiques, genre Inventory Tweaks, Not Enough Items, ça vous l'avez vu.
On a Simply Light, Quark. Bon, il y a plein de trucs. Attendez, bougez pas. Dungeon Crawl, je vous l'ai dit. Enfin bref, il y a pas mal de choses qu'on va vraiment s'amuser. Si cette série vous plaît... Est-ce que c'est de l'eau en bas? Oui, c'est de l'eau, parfait. Si cette série vous plaît déjà à l'avance, eh ben bombardez-moi de pouces bleus, les gars. Et j'espère vraiment... Oh, regardez. Attendez, juste... Attends, toi, tu arrêtes. Voilà, laisse fermer. On peut ouvrir les portes en même temps? Ok, bon... Ça, c'est le truc incroyable que je découvre. Ouais, non, tu m'intéresses pas trop. On va un petit peu juste fouiller le village. Là-bas, il y a une forge, donc c'est pas mal. Donc voilà, on est en 1.16.1, les amis. Et ça, c'est vachement stylé de pouvoir jouer en 1.16.1 avec des mods. Donc on est vraiment d'actualité. Et en plus, donc, avec des mods. Et ça, c'est juste fantastique. Voilà, on est dans un nouveau village, Vanilla. Et pourtant, enfin voilà. D'ailleurs, on va juste un petit peu leur piller du blé. On va se prendre un maximum de nourriture avant de partir en mine directement. Mais vous allez voir, franchement, le minage, ça va être incroyable. Avec les grandes pioches, là, ça vient du mode Vanilla Hammers, voilà. Salut, tu me proposes rien, y a rien dans les fours, c'est incroyable. Ici, un petit coffre. Ah bah voilà, en plus du fer et du pain, c'est très bien. Hop, voilà, je m'en fous de ça. Ok. Écoutez, on va un peu tricher. Écoutez, bah non, voilà, on va faire chauffer, le porc. Oh, on peut utiliser ça pour en tant que combustible. J'ai même pas fait exprès. Oh. Mais c'est génial. Ok, c'est bon à savoir. Donc en attendant les amis, je vais juste mettre dans mon marque-page des trucs qui m'intéresseraient. Donc finalement la pioche Iron Hammer, je vais la mettre dans mon marque-page. C'est pas compliqué à crafter, il nous faut juste déjà deux blocs de fer. Autre chose qui m'intéresserait dans l'immédiat, justement par rapport au mode Adventure Pack, il faut absolument qu'on le trouve, je vous parlais du coup de lampe de poche. Là voilà, flashlight juste ici, c'est pas compliqué à crafter non plus. Donc je vais mettre ça dans mon marque-page. Très bien. Et voilà, pour le moment c'est tout. Le reste c'est du classique juste pour le minage. Ça va être plutôt tranquille. Je vais tourner quelques épisodes à l'avance. Voilà, tout simplement. Comme ça, ça me permettra d'être un maximum régulier pour le début de la série. En tout cas, j'attends vraiment vos retours avec impatience. J'espère sincèrement, mais vraiment, que cette série va vous plaire. Je veux vraiment pas qu'on se prenne la tête. Donc voilà, vraiment, si vous voulez vous mettre bien, bah mettez-vous bien tout simplement devant cette série. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais juste leur voler leur four. Ça va être plutôt pratique. Et puis je vais leur voler la cobble. De toute façon, on va pas rester ici, donc on s'en fout complètement. On va, voilà. Et moi, je leur pille. Je suis un peu un petit saloupio. Donc hop, voilà, comme ça, on peut se faire déjà une petite pioche en cobble. Mais attendez. Ah non, j'allais dire, on peut déjà se faire le Iron Hammer, mais il faut faire deux blocs de fer, donc laisse tomber. Voilà, on attend juste que ça finisse de chauffer. De toute façon, là, je pourrais plus faire chauffer, donc c'est pas mal. Voilà. Et on récupère évidemment le four. Impeccable. Ça, c'est fait. On récupère la table de craft. Et on est parti tout simplement pour explorer des petites mines. Ah, mais attendez, parce que là, il y a un donjon du coup. Alors, le donjon, il est en plein dans une maison, je pense que c'est... Alors oui, alors il faut savoir évidemment qu'on est en 1.16, ça vient de sortir, etc. Donc on est dans une version bêta de Forge. Donc il peut se passer des choses un peu bizarres. Alors, est-ce que c'est safe ou pas d'y aller? Je ne sais pas. On a un lit ici, mais on a tout à portée de main, je prends tout. Hein. Ouais, franchement, on en profite. Par contre, ouais, est-ce que c'est safe ou pas? Attends, ça c'est Silverfish? Non, c'est bon. Attendez, j'ai une pioche en cobble. Ok, alors voilà, j'ai pas d'armure, j'ai une épée en bois, est-ce que c'est safe ou pas? Ah ouais, non, ça descend à mon avis, ça va être assez galère. On va déjà monter dans un premier temps. Ah, je peux pas monter, il fallait que je saute, j'avais pas vu. Ah non, c'est bon. Ok, alors rien d'anormal, si on monte tout en haut, tout va bien, y a pas de problème. Le problème, ça va être en bas, je pense. Ah, ça va être assez ennuyant. On va voir, et si jamais c'est trop chaud, bah on ira pas. Ok, on descend, commence à faire sombre. Bonsoir, j'ai pas de torche. Ok, pour le moment ça se passe, il y a de la lumière. Ok, pas de monstre. Très bien, on est en difficulté normale aussi. Je tenais à vous le préciser, très important. On a une jolie fleur, très bien. Ok, ça m'a l'air d'être un petit labyrinthe. Alors on va commencer par l'endroit qui me paraît le plus sympa, à savoir ici. Il y a une petite fleur, donc voilà. C'est peut-être un piège, je ne sais pas. On a de la glowstone, ici on a... Non, c'est un petit habitat, un coffre. Oh, ça c'est bon ça. On a des torches, on a des os, de la bonne mille et une ender pearl. Que demander de mieux? Franchement, que demander de mieux? D'ailleurs, si vous voulez, on pourra se faire l'ender dragon. Voilà, j'y avais pas pensé. C'est pas non plus un objectif incroyable. Mais si vous voulez, eh bien, on pourra se faire l'ender dragon. Voilà, ça mange pas de pain. Je récupère le four, ça mange pas de pain. Tout le monde va m'en vouloir. Ah bah, je récupère du charbon. Eh les gars, franchement, on se met pas mal. Hop, on prend la torche dans la deuxième main. C'est incroyable. Et on va... Voilà, il y a un spawner. Ah, squelette. Araignée. Araignée qui empoisonne en plus, hein, ouais. Alors attendez, vous allez me laisser tranquille, je vous dis direct. Bon, niveau nourriture,
J'ai pas grand chose à craindre. Donc je vais pas mourir, ne vous inquiétez pas, il y a pas de problème. Voilà, on va juste se les faire assez rapidement. Ouais, j'ai une épée en... Je peux me faire une épée en fer, là. Hein. Je peux déjà me faire une épée en fer. J'ai déjà tout ce qu'il me faut, en vrai. Je me mets déjà très très bien en ce début d'aventure. Hop. J'ai même, du coup, un casque Unbreaking 2 en chainmail. Plutôt pas mal. Je préfère juste récupérer la table de craft. Aussi, un truc qu'on peut faire, aussi, on pourra le faire. Crafting. C'est, voilà, la crafting pad. Oh, mais on peut le faire, facile. Ok, attends, on va le faire maintenant. On va le faire maintenant. Donc, pour ça, il faut la table de craft, un stick... Ok, c'est dans l'autre sens. Voilà, ça nous fait une tablette qu'on peut emporter n'importe où avec nous et qu'on, du coup, on peut crafter genre en étant mobile. Et ça, c'est génial. Alors, le soleil se couche, par contre. Juste, j'ai pas envie qu'on se fasse attaquer par des monstres extérieurs, donc on va dormir. On passe la première nuit. Au niveau des durées des épisodes, eh bien, écoutez, classiquement, on va partir sur du 20-25 minutes. Après, en fonction des épisodes, s'ils sont exceptionnels, on pourra partir sur une demi-heure. Mais voilà, je vais privilégier, eh bien, le... comment on dit, oh ça y est j'ai perdu le mot, en gros je vais être voilà régulier, je veux vraiment conserver la régularité et donc vous proposer des épisodes de 20 minutes en essayant de les faire les plus qualitatifs possible. Voilà, c'est pour ça que je compte vraiment sur vous pour vos likes. Hop, tac tac, moi j'arrive toujours avec mon épée en bois, je viens de remarquer, attendez je me suis trompé, hop voilà, comme ça là tu fais moins la maline hein. Allez, moi posez nez quand même, c'est pas grave. Allez, on va juste bloquer le truc, je vais mettre ça ici et on a un coffre avec encore des torches, on a des petites pépites d'or, des ficelles, des œufs et des plumes, c'est pas trop mal. On n'a pas d'autres coffres. J'entends de la lave. J'ai entendu de la lave. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc derrière? Non, j'entends du feu. Ok, j'entends du feu. Je pense qu'on va... On va peut-être trouver ça. Bah oui, il y a un autre chemin par là. Eh ben voilà. Pas du tout. C'est pas là qu'il y a du feu. Ok, là, il n'y a rien. Mais attendez, j'étais déjà là. Ah bah oui, c'est là que j'ai fouillé. Ok, attendez, je suis perdu. Donc maintenant, faut qu'on aille là. Allez, on va aller là, on explore ce premier donjon. Dès le premier épisode, on fait une exploration d'un donjon. C'est quand même pas rien, si je puis me permettre. What? Il y avait un escalier ici, mais c'est incroyable. Un baril. Ok, une hache en bois efficiency 2, du fer. Un minecart, bon, ça me dit rien pour le coup. Les pommes, je vais prendre. Torche aussi. Et franchement, on se met très très bien. Il y a du fer. Eh, écoutez, on est parti pour en prendre. J'ai très très hâte de vous faire la hammer, la grosse hache en fer. Parce que c'est vraiment le futur, ce truc là que j'ai mis juste là. Comment on craft la flashlight? Ok, non, j'ai pas ce qu'il nous faut. Glass pane, il faudra juste du sable encore. Et dès qu'on aura du sable, on pourra faire une torche. Une lampe torche, ça on fera ça. Vous allez voir, c'est excellent. Ça va nous être très utile et très réaliste. Waouh. Enfin, très RP. Alors attendez, ça part dans tous les sens, ça descend encore. Là ici ça part à droite. Non mais ça part dans tous les sens. Vous comprenez pourquoi le nom de la série c'est M'Kolo l'aventurier? Ok, on a une jukebox. Très bien. Alors j'ai pas de musique. Ok, il y en a une autre là-bas. Attendez, bougez pas. Des pépites d'or, très très bien, ça me plaît. Le reste je m'en fous. Là-bas il y a un spawner. Allez, on va vite le maîtriser, allez c'est parti. On va vite aller le maîtriser. Ok, c'est un boss. Ok, c'est complètement un boss. Alors, on va voir combien il lui faut pour le buter. A mon avis, one shot. Hein. J'ai pas d'armure. Hein. Si jamais, j'ai pas d'armure. Oh, ok, c'est bon. Ça passe crème. J'ai pas voulu essayer de me faire taper. Je sais pas pourquoi je pense qu'il one shot. Je n'ai plus de torche, mais c'est pas grave. Hop, c'est vite résolu. Tac. Ouais. Donc, je peux mettre un backpack, hein, je le rappelle. Des pommes, très bien, je vais les prendre. Les flèches. Je vais plus avoir de place sur moi. Faudrait qu'on se trouve des vaches pour pouvoir déjà se faire un backpack, un petit sac à dos. Tout simplement, il y a un creeper là-bas qui a spawn. Allez, on va s'explorer tout ça. On est à 14 minutes de vidéo, c'est plutôt tranquille. Pas de stress à avoir. Ok, j'entends du squelette. Ok, d'accord, non, c'est juste, il y a juste tout plein de creepers. À mon avis, il y a un spawner pas loin. Ah mince, dommage. Ah oui, alors, faut pas oublier, on pourra se faire un bouclier. Hein. On pourra se faire un bouclier. Ça, faut vraiment pas que j'oublie que de faire ça, tout simplement. On peut déjà même le crafter en plus, donc ce serait pas mal. J'entends un squelette, j'entends un zombie, on va faire gaffe. Voilà, je récupère juste un petit peu. Hop, hop, hop. Voilà, on va juste se faire un maximum de torches. Ok, c'est bon. J'entends toujours le feu. Ah. Oh, une boussole. Une autre épée en fer. Une hache en fer. Écoutez, ça par contre, je vais prendre. Ça, j'en ai pas besoin. Les pommes, donc je prends. Les os, je prends. Le compas, écoutez, on va le prendre parce qu'en vrai, il y a moyen de faire des trucs. Ah non, c'est juste pour faire ça, très bien. Bon, ça c'est déjà pas mal. Ok, bah écoutez, je regarde juste s'il n'y a pas d'autres coffres. Allez, on continue, là-bas il y a un autre boss à mon avis. En tout cas, ça part dans tous les sens. Hein. Oh ah oui. Ah oui. Alors là, je suis pas bien là.
Ah ouais, là les deux ils m'ont mis très très mal. Est-ce qu'ils me suivent encore? C'est bon, il me suit plus. Il faudrait que je me fasse un bouclier. Comment de nouveau on fait un bouclier? Le craft exact, je sais qu'il nous faut du fer. J'ai pas beaucoup de fer. Ah si, il nous faut juste un lingot de fer. Ok, alors attendez, bougez pas. Tac, je peux utiliser ça. Normalement je peux... Ouais, bah comment on fait? Ah peut-être d'abord... Ah non, c'est avec des... Et attendez, comment on fait un bouclier? Ouais, alors attendez, là je suis un petit peu perdu, je vais pas vous mentir. Comment on fait un... Je ne sais plus le craft. Vous allez me prendre pour un con, hein. Vous allez me prendre pour un con. Attendez, ça s'écrit shield. Ouais, c'est ça. Comment on fait? Ouais. Ah, j'ai pas assez de planches de bois? Mais si, j'ai assez de planches de bois. Pourquoi il me le propose pas? Alors, moi, je pense que je suis aveugle. C'est pas grave, je me rappelle du craft. Je pense que je suis aveugle. Voilà, on a le bouclier, c'est déjà pas mal. Je vais juste le jeter en attendant. Ah bah c'est bon, je peux jeter ça. Hop, voilà. Comme ça, on a un bouclier pour se protéger parce qu'on n'a pas d'armure. Je le rappelle, accessoirement. On va essayer de safe la zone et puis comme ça, on pourra tranquillement mettre fin à ce premier épisode. Alors mon pote, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire du tout. Tu vas rien faire du tout. Ah ouais, ils sont... Par contre, ils sont très résistants. Hein. Ok. L'autre, j'ai vu qu'il s'était fait attaquer par quelque chose, je crois. Oh, il est mort. Ok. Allez, on casse. Tout va bien. Ah ouais, ça continue là-bas encore. Il y a quoi dans ce coffre? Du fer. Yellow Run, c'est quoi? On peut faire des trucs avec. Ça vient du mode Quark, en tout cas. Voilà, ça vient du mode Quark. Je ne sais pas à quoi ça sert. Alors, je peux ranger mon inventaire comme je le veux, c'est pas mal. Ah, bah attendez, j'ai dû... J'avais pas capté que j'avais de l'armure, là, du coup. C'est génial! Tout ce qu'on gagne. Va juste falloir faire un choix, va falloir qu'on jette des trucs quand même, en vrai, hein, parce qu'on a trop de trucs. Hop, tac, tac, voilà. Vas-y, donc je vais récupérer ça, tranquillement. Et vas-y, on va aller vite voir qu'est-ce qu'on a là. Ok, c'est bon. Ça, ce truc, il me fait pas peur. Il est très très lent, en tout cas, donc ça, c'est pas mal. Voilà, toute la zone est safe. On a une hache en or, je m'en fiche. Piercing. Ah, c'est pour l'arbalète, ça. Vas-y, je prends au cas où. On pourra se faire une arbalète. Hop. Ah bah oui, je peux ranger directement le coffre pour récupérer plus facilement, je suis bête. Ah par contre du coup j'ai un plastron. Et voilà, on va pouvoir casser ça. Et on est à, attention, 8 niveaux. Très bien, ça c'est fait. Bah les amis, écoutez, on va pouvoir tranquillement s'en arrêter là. Dans le prochain épisode, on va continuer l'exploration de ce donjon. Voilà, parce qu'on a quand même pas tout vu, hein. On a quand même beaucoup de chemin encore à voir. Et puis après on pourra partir, je pense, en minage. On verra ça en temps et en heure. Salut à toi petit zombie, tu es plutôt mignon. Et voilà, premier épisode, on a déjà un petit stuff. Alors c'est pas grand chose, mais voilà. Franchement, en ayant presque rien fait, juste en faisant de l'exploration, et bien voilà ce qu'on obtient, donc ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, j'espère du fond du cœur, je vous assure, eh bien que cette série vous plaît et va vous plaire, et j'espère que vous serez nombreux à la suivre et à rester fidèles à cette série. On se retrouve donc très rapidement pour le prochain épisode. Si ce n'est pas demain, ce sera après-demain, mais je pense qu'on se retrouvera demain. Voilà, c'est dit, c'est fait. C'était Mkolo, bonne journée à tous, des bisous, ciao ciao tout le monde.